La différence, je pense, c'est la guerre. Et nous, on a fui la guerre, en fait, tout simplement, la deuxième guerre du Congo. Je suis désolé de... Ça fait vraiment... En fait, moi, j'ai vécu des vrais trucs. Elle a dit, moi, la différence entre nous deux, c'est la guerre. C'est fou ce qui se passe. Ils arrivent avec la même veste, ils ont plein de trucs à se dire. Vraiment, la connexion, elle est trop folle. Bah, elle arrive avec la même veste que moi, excuse-moi. Il y a un truc. Parce que le problème, c'est que les gens, ils vont croire que c'est fait exprès, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Ouais. Le pourcentage. Elle a copié, en fait. Chance. Je l'avais avant, c'est sûr. Là, vous parlez comme si vous connaissez depuis toujours. On se connaît, ouais, c'est louche. Quelques fois, quand même. Go. Ah ouais, là, c'est fluide. On se connaît bien. On devait être bizarre. En bah fait, non, peux c'est la faire inconfortable. Hein. Salut. Au contraire, non, mais ça veut dire en que. Fait, on se connaît, on a jamais pris le temps de s'asseoir et de se poser comme ça. Ouais, et après on se suit sur Instagram, mais genre, pas comme des gens qui se connaissent. Moi, je la suis parce que je suis fan à la base. Tu Moi aussi. Dire arrête. Mais si. Et là, c'est deux fans qui parlent entre eux. Je te jure, je connais ton show par cœur. D'accord. Non, je te jure. D'ailleurs, pour la réunion que tu veux faire avec les Noirs, j'attends l'adresse. J'ai quelques trucs à dire. Tu vas être délégué. Ouais, j'ai plein de trucs à dire. Déjà, faut qu'on mange un petit peu. Enfin, tu dis ça. Parce que depuis tout à l'heure, on discute et tout, mais on n'a pas encore mangé. Moi, je veux juste m'entretenir. Écoute, avec ce gâteau. On te laisse le gâteau. En fait, on a les brochettes de légumes. Oh non. Peut-être je vais être déçu. Toi aussi, gâteau. Mais j'ai l'impression. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il est fait maison. Je me trompe. Tu vas être déçu. Ouais, je vais être déçu. C'est pas grave, je vais le manger en me disant qu'il est fait maison. Il est fait par un magasin de surgelés très connu. C'est pas vrai. Ah ouais. Anchelac qui offre du surgelé. Franchement, ça va être T'aurais très bon. T'aurais dû mentir en plus. Non, tu vas voir, tu vas kiffer. T'aurais pu dire, ouais, j'ai testé une recette. J'ai voulu mentir, mais je me suis dit, vous alliez cramer frère, peut-être. T'as commencé par pomme kiwi. Et toi, tu cuisines. Mais il est bon ce gâteau. Parce que Lou, ça cuisine super bien, attention. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais, vraiment. Non. Si. Mais, bro, tu peux pas y croire, mec. Quel talent tu n'as pas. Tous les talents. Oula. Tu peux pas chanter, peindre et cuisiner. En fait, tu veux quoi, en fait tu et être... Et attends, parce que... Non, il y a plein de trucs que je sais pas faire. Tu designes des immeubles. Non, tu fais trop de choses. Ouais, c'est l'inauguration dans 2 jours. C'est vrai? Comment tu te sens? Je pense que je risque de frôler la première fois la fierté. Peut-être. Ce sera la première fois attends, que je serai fière. J'ai raté un truc, en fait. Là, il y a une grande dinguerie, ouais. J'ai designé un immeuble. C'est quoi cette histoire? Ouais, à Bruxelles. C'est un coworking. Il fait 7822 mètres carrés. Je devais le designer entièrement. Et j'ai commencé il y a 3 ans. Il y a 3 ans? Ouais. Et maintenant, c'est l'inauguration. Et donc, je suis trop contente. Mais viens, t'es invitée si tu veux. Mais bon, j'en ai marre de vous inviter, toi et ta copine, parce que vraiment des start-upers. Vraiment des start-upers. Concerts, anniversaires. Et chaque fois, ils sont là. We love you. But no. Non, je te jure, écoute-moi, au concert... C'est le règlement de compte. Écoute-moi, j'espère qu'elle me voit dans la caméra. Non, c'est ma faute, parce qu'au concert, on devait venir... Bah regarde, je suis honnête avec toi. Wow. On devait venir, mais moi, je joue à 19h. Tous les jours de ta vie? Du mardi au samedi. Ah, c'est une blague? Je te jure, pendant 2 mois, là. C'est pas une bonne excuse, maintenant? Si. Ouais, alors, t'étais venu au Dôme, toi? Je suis venu au Dôme, c'était incroyable. Je suis venu sur la 2e date, je crois. Ah ouais, c'était la meilleure, c'est pour ça. C'était fou. Avec celle qui a crié ton nom. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, une meuf qui... En plein milieu d'une blague, en plus. J'aurais pu la mordre. il était sur une super vanne, et là, donc, à gauche... Fari. Ok. Mais c'est pas genre le spectacle qui vient de commencer, ça fait genre 15 minutes. Elle s'est rappelée ou... Je sais pas, c'était fou. Ah ouais, t'étais là. Mais même, tu sais que j'ai croisé d'autres gens et on se demandait, est-ce que ça a été fait exprès? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été payé? Ça quand vous faites ça. Ça, c'est des trucs qu'on fait dans les années 90. Ça existe plus. Ça vous saoule ou pas? Ça rend fou. Ça rend fou, hein. Parce que, en fait, c'est pas... Déstabilise un peu, quoi. Non, parce que si elle le fait dans un mauvais timing, l'humour, ça marche sur un rythme. Ouais. Ça marche des fois, tu sais, un synonyme, la blague, elle fonctionne pas. Et donc, elle le dit sur un moment, juste avant que je fasse la chute de la blague. Et c'était un moment où ça change. Ah ouais, j'aurais pu me battre avec ça. Il y a des gens, même parfois, quand le sketch il est connu, ils font la blague avant. Ouais, il y a ça un petit peu. Mais en live aussi, c'est la même chose. Hein. Moi, j'ai des fans qui venaient à plusieurs shows. Et du coup, il y a aussi des trucs qui se passent à chaque show. Quoi. Ouais. Le truc est préparé. Ouais, bien sûr. Et c'est en mode, là, c'est bon, on va aller faire ça. Mais tu te fous de ma gueule. Ah ouais. Et tu l'entends dire ça? Ah oui, mais toute la salle l'entend, les gens crient fort. Ah, c'est genre sur un moment de pause, ouais, c'est là, elle va chanter cette chanson. C'est ça qui est terrible. Ouais, elle va faire ça. C'est intéressant chez tous les deux.
Parce que de base, on avait l'habitude de vous entendre parler de thèmes de société. Tu vois, bah, avec Hexagone, c'était l'identité française. Toi, avec Gore, c'était plein de thèmes très durs comme la prostitution, ouais, la guerre, les violences faites envers les femmes. Et là, vous parlez d'amour tous les deux. J'étais un peu choquée, en fait, genre, on va dire, un an après Gore, une fois qu'il était sorti, de faire le constat que je n'avais pas parlé d'amour. Alors que c'est une des choses les plus importantes de ma vie, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout parlé d'amour, je n'avais pas parlé de cette énorme partie de ma personne, tellement les choses très dures de la vie avaient pris finalement le dessus sur ma vie. Si je n'écris pas sur l'amour, c'est qu'en fait, il n'est pas important au moment où j'écris mon album. Ce n'est pas un sujet même qui me traversait l'esprit, tellement je souffrais ailleurs. Et puis on m'a brisé le cœur. Ça aide pour écrire une histoire d'amour. J'étais vraiment confrontée aussi à toutes ces choses-là qu'on pourrait remettre sur d'être avec un partenaire qui ne supportait pas que je fasse plus d'argent, des trucs comme ça, ou que j'étais indépendante, ou que... j'ai envie de dire le classique, en fait, vu le nombre de femmes. Il y a les femmes qui me ressemblent, entre guillemets, donc qui ont plus ou moins le même type d'activité, etc. Elles ont plus ou moins le même type de problème avec leur conjoint. Et chaque fois, c'était les mêmes qui revenaient, les problèmes, on va dire, de pouvoir, d'argent, de notoriété. Il y a mon son préféré de Loose qui parle de ce thème-là, justement, de la manière dont le fait qu'une femme gagne plus qu'un homme, ça peut jouer dans une relation amoureuse. C'est le morceau La Monnaie. On peut se le mettre ou pas? Allez. Let's go, tu l'as déjà écouté, Farid, de toute façon, du choral. Il y a une chorale un petit peu. Ouais, d'enfants. Même on voit des enfants dans le visuel et tout sur scène, ouais. C'est trop stylé. Les enfants mexicains qui ont chanté ça. Franchement, ce sont... Pour faire simple. Mais tu m'en voulais parce que je faisais plus de monnaie. Plus de monnaie. Et quand je t'appelais, tu me répondais que je t'importunais. Mais tu m'en voulais parce que je faisais plus de monnaie que t'as pas pensé. Mais pourquoi t'as écrit ce son, du coup? Parce que j'ai eu un problème avec la plupart des partenaires que j'ai eu dans ma vie. J'en ai eu trois, en fait. Je souffle d'abord. Je reprends. Et ouais, les problèmes face aux finances étaient gravissimes. Gravissimes. Et c'était par rapport à la position qu'ils sentaient qu'ils avaient. Il n'y avait pas de situation où ils étaient confrontés à nos différences financières. C'était la position mentale dans laquelle ils étaient tout seuls, en fait. Ils se disaient tout seuls, je dois faire plus, je dois... Vraiment le cliché, être la personne du foyer, être la personne qui ramène des trucs. Et je disais, mais non, mais je ramène mes trucs, ramène les tiens, et il n'y a pas de souci, quoi. Ils complexaient du fait que tu gagnais plus que. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc d'attention? Il y a aussi, quand tu es une artiste, dans un couple, que ce soit homme ou femme, des fois... moi, je ne peux pas avoir ça dans mon couple à moi, parce qu'elle a aussi beaucoup de notoriété, etc. Mais... Je l'ai vécu dans les relations d'avant. Des fois, le fait que le quotidien du couple tourne autour de ton quotidien à toi, ça prend beaucoup de place, en fait, dans la relation. Ouais. Et des fois, tellement de place. Ouais. Et des fois, les gens, ils sont frustrés aussi. Ouais. À tel point qu'ils n'arrivent même plus à être contents de tes succès. Ou... Ah ouais, pas du tout. Ouais. Bah, vraiment, on était là-dedans. Pas du tout contents de mes succès. Okay. Mais c'était un artiste aussi. OK. C'est un artiste aussi. Et donc, je pense aussi, il y avait aussi l'esprit de compétition. Ouais, ouais. Et je pense que c'est... Moi, c'est ce qui me faisait le plus de mal, en fait. C'est que moi, je venais de commencer ma carrière, je venais officiellement de sortir mon premier single, c'était Dilemme. Et avant ça, j'avais sorti plein de chansons, mais sur SoundCloud, vraiment supra underground, genre le max de vues que j'avais par son, c'était genre 2000 vues. Et du coup, en sort Dilemme, pour moi, c'est waouh! C'est la première fois que les gens écoutent ma musique en masse. J'y crois pas. Je me souviens, la prière que j'ai faite quand Dilemme sortait, je me disais, oh Seigneur, s'il te plaît, 50 000 vues. Seigneur, il va faire 50 000 vues. First step. Et vraiment, j'étais. Déterre, je suis en mode, je vais arriver à mes 50 000 vues, alors que par exemple, si aujourd'hui je fais 50 000 vues, je suis dans le flop ultime. Ouais, bah. À l'époque, c'était genre le suprême succès pour moi, et c'est en 2019. Et en fait, on a touché plein de markets en même temps, l'Italie, etc. Et j'ai dû voyager du jour au lendemain, et j'étais shootée à la joie. Genre, j'avais jamais été aussi heureuse de ma vie, parce que j'étais vraiment subjuguée par le fait que les gens m'écoutaient enfin. Et c'est la première fois que j'avais l'impression d'être entendue. Et du coup, c'était un grand moment de joie. Que mon partenaire n'a pas du tout partagé, mais pas du tout. Et quand je vous dis pas du tout, c'était grave, gravissime. À quel point c'était... Je me suis sentie vraiment repoussée, en fait. Même il ne voulait rien savoir, en fait. Il ne veut pas savoir, il ne veut rien savoir. Il est juste en mode loin de moi, quoi. Tu vois, Farid, tu dis que pendant des années, tu as eu peur de l'amour. Ouais. Parce que pour toi, aimer, c'était synonyme d'être abandonné parfois. Ouais, moi, c'est comme ça que je suis arrivé à
à cette thématique-là, pour reprendre ta question d'il y a un quart d'heure. C'est bien, on discute, on diverge, c'est bien. Moi, c'est comme ça que j'y suis arrivé. C'est aussi par des déceptions amoureuses, mais de mon fait. C'est-à-dire qu'en décevant l'autre, j'ai déçu le couple et du coup, je me suis déçu moi dans l'image que j'avais de la projection de l'amour. Mais même au-delà des relations amoureuses, tu parlais de même ce sentiment d'abandon quand t'étais enfant. Ouais. Je pense que le... Pourquoi t'avais un sentiment d'abandon quand t'étais enfant ? On est sur une thérapie, une double thérapie. Ça commence. Tu peux attaquer des deux côtés. Pourquoi, Farid ? Non, c'est comme ça. Raconte-nous, Farid. Parce qu'il a essayé d'esquiver. T'as parlé longtemps, mais dis-nous. Dis-nous vraiment ce qui se passe. Mais c'est ça qu'on veut savoir. Qui t'a abandonné, Farid ? Pleure, Farid, pleure. C'est l'heure, Farid. Non, désolé, non, mais parce que c'est trop intéressant, moi, je parce qu'il y a un point commun sur ce sujet, en plus. Ouais, tu moi aussi. Lis tous les deux, donc il faut qu'on en parle. C'est ça, en fait, tu veux retomber sur tes fiches. On sait que t'as des fiches quelque part. Récupère mes questions. En fait, c'est... Non, mais de vrai. C'est l'idée de l'amour. J'ai pas moins peur aujourd'hui. Je comprends, parce que... l'amour, c'est un lien, c'est une idée plus qu'un sentiment, et c'est un truc que tu finis par comprendre. C'est plus le lien que le sentiment qui fait peur. Parce que quand tu t'attaches à quelqu'un, tu donnes la possibilité que ça s'arrête, qu'il y ait une fin, et de se sentir abandonné. Moi, le départ, en tout cas la séparation de mes parents, moi, ils ne se sont pas séparés, et mon père, il est parti habiter dans une autre ville, il est parti habiter dans un autre continent. Donc je l'avais toujours dans ma vie, mais à distance. Et moi, je l'ai vécu vraiment comme un abandon, quoi. J'ai vraiment... mon père, moi, c'était mon héros. Ça l'est toujours un peu aujourd'hui, mais tu sais, c'était... Les petits garçons, souvent, ils sont attachés à la maman, tu sais, collés. Et moi, j'étais collé à ma mère aussi, mais mon héros, c'était mon papa, quoi. Donc, quand il est parti, ça a été ouais, un abandon, peut-être, que je fuis dans mes relations aujourd'hui. Mon père, c'était aussi... Il y avait la séparation d'abord avec ma mère, mais il était dans un très, très grand mal-être, en fait, à être en Europe. Je pense que c'est ce qui l'a rendu dépressif, d'ailleurs. Je pense qu'il a une propension à être à la dépression aujourd'hui à cause de ça. Et quelle origine, ton papa ? Du Cap-Vert. Mes deux parents, ils sont du Cap-Vert. OK. Et en fait, être à Paris, les travaux... parce que lui, tu sais, il travaille dans la climatisation et tout, les bouchons, le stress, tu vois. Là-bas, au Cap-Vert, ils sortent, ils disent... Tout le monde fait des blagues toute la journée, tout le monde se connaît, tu vois, c'est... Ma mère aussi, elle supportait pas. Elle a vécu 5 ans en Europe, la même chose. Elle était là, le froid, le stress, la société était aussi. Pour elle trop dure. Et le froid, c'était un vrai sujet pour elle. Ouais. Alors que nous, on est habitués. Moi, je veux dire, ça me fait ni chaud ni froid, entre guillemets. Quand il fait froid, je me dis, il fait froid, c'est l'hiver, et puis après, il y aura le printemps, et puis l'été, et puis... J'arrive pas. C'est un cycle, quoi. Luz, tu te reconnais un peu dans cette histoire, ce rapport à la paternité, à l'abandon, etc. Oui. Après, nous... La différence, je pense, c'est la guerre. C'est la guerre qui a fait que les parents, ils ont été séparés à plusieurs reprises et qu'on a dû fuir. En fait, ma mère était rescapée. Et nous, on a fui la guerre, en fait, tout simplement, la deuxième guerre du Congo. Je suis désolé de... Ça fait vraiment... En fait, moi, j'ai vécu des vrais trucs. Non, Elle a dit, moi, la différence entre nous deux, c'est la guerre. Elle t'a disqualifié. Mon père et tout. C'est gentil, hein. Non, la guerre. Elle a même regardé la caméra, elle a dit nous, c'était la guerre. En fait, ça sonne hyper mal, en fait. Mais depuis tout à l'heure, tout ce que je dis sonne hyper mal. Du coup, je vais fermer ma gueule. Non, au contraire. Au contraire, faut que tu nous racontes. Je savais pas du tout, moi, cette histoire. Putain, je savais pas du tout. Non, mais en plus, il n'y a pas moyen de bien annoncer la guerre, en fait. C'est dingue. C'est toujours, ça craint tout le temps, en fait. Dès que tu en parles, ça craint. Et ça met cette ambiance. Non, mais comment ça, ils se sont séparés à cause de la guerre? Il faut être un peu plus précis. Parce que... Alors, quand j'avais 2 ans, donc en 1998, parce que je suis belge, passons, ma mère a été emprisonnée au Congo, parce qu'elle était rwandaise. Il y avait déjà des tensions politiques entre les Rwandais et les Congolais, déjà en 1998. Mais du coup, t'es né là-bas? Moi, je suis né au Congo, oui. Ah ouais. J'ai grandi au Congo et au Rwanda. Moi. Ah ouais. Et du coup, mais pourquoi t'es choqué? Non, je suis choqué de genre. T'es là-bas. Non, t'es né là-bas en temps de guerre. Ah oui. C'est dingue. Ouais. Et du coup, ma mère, elle a dû fuir le Congo. Elle a pu prendre que la toute petite qui venait de naître, ma petite sœur, qui est née 1 an plus tard. Et moi, je suis restée avec mes deux grands frères et sœurs, donc ma grande sœur et mon grand frère. Et donc, on était 3 enfants. Il y en avait un qui était avec ma mère en Belgique, et les 3 autres, on était au Congo avec mon père.
Donc en fait, moi, j'ai pas connu ma mère, en fait, puisque quand je suis arrivée ici en 2001, je suis arrivée en Belgique. J'ai rencontré du coup ma mère dans ma tête pour la première fois, parce que je ne savais pas du tout c'était qui la personne, parce qu'elle nous appelait et tout ça, mais j'avais aucune idée. J'avais 5 ans. Du coup, j'avais aucune idée. Et plus tard, je me suis rendu compte que ça a créé, le plus gros creux que j'ai dans mon âme, c'est que je n'ai pas eu de relation avec ma mère. Et que je me suis sentie hyper abandonnée, en fait, de me dire... quand j'ai compris que c'était ma mère, je me suis dit, mais pourquoi elle a pris que la dernière? Moi, elle avait 1 an, j'avais 2 ans, enfin... Où est la diff? Pourquoi on m'a pas pris? Parce que là, j'étais solo, quoi. Et du coup, voilà, on est arrivé là. On est resté 5 ans en Belgique. Sauf que mon père n'est pas venu. Donc moi, j'étais en... Bon, j'avais pas de mère pendant 4 ans et demi au Congo. J'arrive, je découvre ma mère et mon père n'est pas venu. Donc moi, je me sentais abandonné de mon père, parce que mon père, c'était mon seul repère. Et donc quand j'arrive ici, du coup, ça devient très similaire. Je me suis dit, il est mon père. C'est dingue ce qui se passe. L'histoire la plus triste de la Terre. Mais elle se finit super bien. Dingue. Et le film, il sort quand? C'est vrai que c'est digne d'un film, c'est un très beau film. Mais parce que l'abandon, je pense que c'est tout le temps lié un peu aux parents, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ressentent vos parents quand ils vous voient en haut de l'affiche, quand ils voient vos spectacles, quand ils te voient égérie de Louis Vuitton, couverture de Vogue, quand ils te voient faire Bercy? Qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui? Ils sont super fiers. Ouais. Super contents. On crack. Ma mère est hyper. Super contente. Super contente. Mais mon père est très sobre dans les émotions. Bravo, ma fille. C'est comme ça. Et moi, ça me rend heureuse, quoi. Ouais, ils sont super contents. Tout va très bien avec la famille. Moi, mon père, il a mis beaucoup de temps à réaliser, à comprendre ce qui se passait. N'étant pas là, tu vois, tu reçois pas les médias de la même façon. Donc, quand il est venu, c'est beaucoup d'émotions parce qu'il s'est pris... la première fois qu'il m'a vu sur scène, moi, c'était en première partie de Alex Lutz, devant 900 personnes. Et la fois d'après, c'était moi, un an après, c'était moi devant, dans cette même salle, mais pour mon spectacle. Et quand il est revenu après ça, c'était Bercy. Donc, tu vois, et entre-temps, il voit les trucs de loin. Donc, c'est beaucoup... beaucoup, il le vit avec beaucoup, beaucoup d'émotions, mon père. Parce qu'au départ, lui, très pragmatique aussi, mais pour d'autres raisons. Parce que ils sont venus ici pour qu'on ait plus de choix que eux. Et le choix pragmatique que lui, il aurait voulu que... J'ai fait au tout départ, hein. Après il m'a appuyé, c'est les études, c'est un métier plutôt classique. Ma mère, elle a une sensibilité différente, peut-être de, ça va pas te plaire, mais de maman, a une sensibilité de, tu sais, un peu, son objectif principal, c'est que je sois heureux quoi qu'il arrive. Et il y a la place et le délai pour rater, pour tenter, pour le doute, très très tôt, au sortir du bac et tout, il avait vraiment fait ce que t'as à faire, quoi. Et aujourd'hui, c'est aussi le fruit de son travail. Je crois qu'elle le vit un peu comme ça. Aujourd'hui, ça pourrait être mon manager, ma mère. Comme Burna Boy. Lou, j'avais quand même cette question à te poser parce que aujourd'hui, on te voit en couverture des magazines, on te voit égérie de grandes marques. Et paradoxalement, on peut voir sur Internet certaines personnes qui vont te disqualifier des canons de beauté uniquement parce que t'es une femme noire. Les retours à Yaoundé, tout ça. Retourne à Yaoundé, tout ça. Par exemple, comment tu le vis, toi, et comment on explique justement que le manque de représentation guide à toutes ces critiques? Alors, d'une part, il y a plein de gens qui me trouvent moche, et ça, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui peuvent me trouver, mais moi, on ne peut pas être au goût de tout le monde. Donc, je ne m'offusque pas que les gens me trouvent pas belle. Je m'offusque de ce qu'ils me disent quand ils me trouvent pas belle. C'est-à-dire retourner à Yaoundé, ou elle est moche, la noire, ou des trucs obscurs du genre. C'est la seule raison, je pense, pour laquelle je suis dans un métier d'image et que je ne suis pas habillée comme Daft Punk. Si ça ne tenait qu'à moi, vraiment, sincèrement, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais un casque toute la journée et je ferais ma musique et ça ne m'intéresse pas d'être vue en tant qu'individu, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et la seule raison pour laquelle je le fais, parce que ça m'oppresse, même les shootings et tout, c'est pas vraiment ma cup of tea. Et la seule raison pour laquelle je le fais, c'est pour la représentation et parce que j'ai vu tellement de fois la joie que ça procure dans des jeunes femmes noires. De savoir que si tu marches dans la rue, tu vois, que ce soit moi ou une autre, une femme noire qui a plus ou moins ton âge, qui a plus ou moins la même éducation, peut-être même la même histoire, ça te donne une possibilité de rêver. Tu regardes le top 50, les chanteuses, femmes noires... Pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire,
Il y en a beaucoup. En tout cas, il y en a aujourd'hui, il n'y en avait pas du tout avant. Ouais. Mais même aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Au-delà de la scène, c'est-à-dire, il y a Aya, il y a Shai, et. Même moi, je ne suis pas là-bas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Isult, ouais. Mais du coup, pour revenir à la question de représentation, moi, c'est la seule raison pour laquelle je fais mon métier de cette façon. Sinon, je vivrais caché, très loin, parce que c'est. Parce que se montrer, ben, ça mène à ça. Les retours en Afrique, tous les retours à Yaoundé, tout ça, je viens pas du Cameroun, il faut me dire de retourner dans des pays qui j'ai jamais été. Parce que pour eux, l'Afrique est un pays, ce qui est hyper triste. Ah, c'est pas... c'est intéressant. Et du coup, voilà, et tous ces trucs-là, moi ça m'intéresse profondément pas. Et ça ne me touche pas. À l'arrêt, des fois, ça me fait même rire, en fait. Parce que les racistes, il y a plein qui sont même pas new school. Parce qu'il y a un nouveau type de racisme, il y a plusieurs types de racisme. Ouais, il y a beaucoup de racisme à l'ancienne et je suis en mode... tu vois, les grands N-words qui t'envoient la nègre, elle doit faire ça, la nègre est en mode... C'est marrant parce qu'avec du recul, c'est ridicule. Mais quand tu le vois et que c'est quelqu'un que tu connais ou que ça te concerne, ouais. Je sais pas, moi, ça me choque toujours. Ah, moi aussi, ça me choque. Ouais. Non, mais genre, même quand je vois quelqu'un de... J'arrive pas à ne pas mais quand être c'est touché, moi... J'arrive pas à ne pas être touché. Ah, moi, j'arrive plus. Moi, je ne veux même plus leur donner... j'arrive plus. Ça ne me fait... Mais quand je dis rien, c'est rien. Ouais, je me suis bah dit, ouais. J'ai plus envie de... C'est le... Ça m'a trop fait mal, en fait, avant. C'est la réaction qu'il faut en réalité. Hein. Ça m'a brisé, j'ai plus envie. J'ai pas envie d'être mal à l'aise quand quelqu'un me traite de nègre. Ouais. J'ai pas envie de lui donner ce. Je ne suis pas mal à l'aise en fait. Tu es fou. Ouais. Et j'espère que mon impassibilité va refléter comme un miroir sa stupidité. J'ai plus envie de. Je ne veux plus avoir une once de tristesse pour quelqu'un qui me veut du mal. Madame. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça que la représentation est importante, c'est clair, pour notre génération. Pour inspirer certaines personnes, même s'il y a beaucoup d'autres gens qui l'ont fait. Mais ça donne toujours un coup de pouce. Et ça ouvre des portes. Là, j'ai les poignets qui saignent. J'essaie de casser un maximum de portes. Et dès que j'aurai mal au bras, ben, j'arrête. Et j'irai dans une forêt quelque part, vivre avec les ours. Moi, c'est vrai, j'y pense plus trop. J'ai un peu mis ça de... J'y pense plus trop parce que j'y crois de moins en moins. J'ai l'impression que... je suis devenu un peu fataliste avec le temps, peut-être à tort. Mais il y a aussi une idée de, tu sais, des fois j'en reviens vraiment à me dire à moi-même, c'est grave hein, ce que je veux dire, mais c'est leur pays en vérité, tu comprends? Des fois je me dis, tu sais, ils sont en majorité, en fait je fais ce que j'ai à faire pour les gens qui le veulent bien. Mais c'est terrible cette phrase, c'est leur pays à eux. On a des codes français qui sont à nous, tu comprends? Et ce nous, il englobe des gens qui sont aussi blancs, tu comprends? Mais c'est une France qui est différente. Et moi, je suis, dans mon identité, différent de ce que sont mes parents. Quand je vais au Cap-Vert, je ne suis pas capverdien pour eux. Tu comprends? Et les références que j'ai, elles viennent pas toutes de France, elles viennent pas du Cap-Vert. J'ai le sentiment que ça, c'est une certaine France. Et qu'à un moment donné, nous, quand on aura 50, 60 ans, eh ben, on sera à un état où tout le monde va comprendre cette France-là. Mais je n'ai pas le sentiment que... J'ai pas le sentiment qu'on ait à se battre pour ça et que ce soit un combat qu'on puisse aller gagner. Tu sais, on peut pas fatalement changer des gens ou la perception quand ils ont pas d'intérêt à le faire. Donc j'ai l'impression que, tu sais, ne serait-ce que pour la représentativité de la, je sais pas si c'est le vrai mot, de la femme, des noirs, ça marche toujours par intérêt. Aujourd'hui, ils vont mettre des femmes partout parce qu'ils y voient un intérêt économique. C'est pareil pour la place des Noirs, il n'y a pas de bons sentiments là-dedans. Parce que derrière, il y a un intérêt économique, il y a des marques qui veulent se donner une bonne image. Moi, je ne pense pas que c'est un aveu de défaite, ouais. Ce que tu dis. Pour moi, c'est plus une autre, c'est comme si tu changes de lunettes. Parce qu'à moins de voir la même situation, il y a moins de la voir de tellement de façons différentes. Et en général, c'est l'expérience qu'on vit. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être après dans le domaine dans lequel je suis. Je n'ai pas, moi, la sensation d'avoir une influence sur quoi que ce soit. Tu comprends? Donc, tu serais choqué. Ouais, et il y a vraiment un moment donné où je me suis dit, où je me suis ramené à, tu sais, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est de faire de l'art, de raconter des trucs que j'ai envie de raconter, sans viser l'idée que ça puisse changer des choses. Avant, j'avais vraiment cette âme de, putain, on va bousculer des trucs, changer des choses. Et en fait, peut-être que ça a des conséquences que je vois pas. C'est la phrase de Tupac. Peut-être que je ne changerai pas le monde, mais je changerai les gens qui vont le changer. Mais je ne suis plus, en tout cas, dans cette optique-là. Ce qui ne fait pas que je vais lâcher des... Tu sais, j'ai toujours des opinions sur les choses. Donc je vais toujours raconter des opinions. Je vais toujours être dans des débats et tout. Mais ce qui anime, en tout cas, cette prise de position, c'est plus la même chose, quoi. Ah, same. Ouais. C'est quoi qui vous anime, du coup, maintenant? C'est
d'aller dans des salles où vous n'êtes jamais allé, d'aller dans des thèmes que vous n'avez pas forcément exploités. L'idée d'aller faire Roland-Garros, c'est là dont on parle, parce que je vais faire une date exceptionnelle au stade de Roland-Garros avec mon spectacle. C'est extraordinaire. Et en fait, l'idée c'était, il y avait plusieurs choses. Il y avait, Roland-Garros, c'est quelque chose de très élitiste, mais en même temps, c'est quelque chose de très populaire. Mmh. Et j'ai vraiment l'impression que ce que je vise se situe pile au milieu. Moi, Roland-Garros, je le connais, je ne suis jamais allé. Et je sais que les gens qui vont venir au spectacle ne sont jamais allés non plus à Roland-Garros. L'idée, c'est de dire, j'ai fait un truc un peu différent. Et maintenant, ça y est, tout ça, c'est... Maintenant, on va faire que du plaisir, quoi. Que du bonus. Lou, c'est quoi ta future bonne idée? Oh. Ma future bonne idée. Je veux dire, le truc le plus excitant que je trouve, j'ai vraiment, vraiment hâte de faire. Faire un manga? Ben, je suis en train de faire un manga. Non, mais tu devines tout. Mais je suis. Le mec est fou. Hein. Mais c'était même pas ça que j'allais dire. Ça, c'était. Je vais pas en dire plus parce que j'étais même pas censé le dire, mais c'est pas grave. Trop fort. Mais. Et là, j'étais trop saucée pour que je réponde oui. Je suis vraiment une bolosse. Mais. Non, je vais curate. Sotheby's, c'est des galeries. Et je vais curate ma première expo. Incroyable. Le 27. Donc, je vais avoir ma petite partie d'expo et j'ai sélectionné des œuvres de plusieurs artistes. C'est exactement ça qui est l'objectif. C'est pour ça que c'est fou qu'on fasse l'interview ensemble. Parce que, et je te jure, je te dirais ça si t'es pas là. En fait, c'est précisément le genre d'artiste qui m'inspire et que je respecte. Parce que, tu vois, là, son expo, c'est aussi important que l'album qu'elle sort, qui est aussi important que ce qu'elle va faire. Dans l'image est aussi important que ce qu'elle fera plus tard au cinéma, que ce qu'elle fait déjà. Du coup, ça crée une nouvelle case qui est c'est une artiste en fait. Ouais, et que j'aime l'art. C'est le seul truc, le seul lien avec tout, c'est j'aime l'art quoi. C'est pas une putain de conclusion qu'on vient de te donner maintenant ? Merci infiniment. Je suis qui moi ?